Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui analyse et réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais de manière assez chill et sérieuse. Aujourd'hui, on va parler de Kim Jin-wo, du groupe Winner de la YG Entertainment. Il est en featuring avec Song Min-ho et je pense que c'est Min-ho de Winner aussi, je crois. À moins qu'il y en ait un autre qui a exactement le même nom que lui. La chanson s'appelle Call Anytime. Mais voilà, j'ai eu peur, je pensais que j'avais fait une erreur. Donc, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai déjà réagi à Winner plein de fois. Je mettrai les liens en description. Et la dernière en date, je la mettrai là ici si tu veux voir, si tu l'as jamais vu. Et on va passer tout de suite à la réaction. Donc, comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je te dirai pourquoi. Si j'aime pas, je te dirai pourquoi aussi. Mais sache que mon avis n'est jamais fixé, qu'il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti. Let's do it. 3, 2, 1, piou! Il a une bonne voix, hein. Donc c'est normal de lui donner un solo quand même. Il a une voix assez intéressante, Gino. Ah, le son là, ça fait déjà hyper Winner. C'est un truc qu'ils ont réussi avec les Winners, je trouve, c'est de leur donner quand même un son. Oh, ça va vers du funk. Ça, alors faut avouer, ça arrive à tout le monde où t'attends le message de quelqu'un et t'es comme ça avec ton téléphone. Le clip est super beau, hein. Là, le bleu avec l'orange qui sont des couleurs complémentaires, je trouve que ça rend super bien. Mais c'est pas un bleu direct, c'est genre un truc qui va plus vers le turquoise. Il y a du vert dedans, quoi, donc c'est assez joli. Ouais, donc c'est bien le Min-ho de Winner aussi. En fait, c'est Winner moins 2. Peut-être que ça devait être une chanson de Winner à 4 et que les deux autres étaient pas dispo ou je sais pas quoi. Les basses un peu comme ça derrière qui donnent un feeling un peu funk, c'est vraiment bienvenu. Ça dynamise un peu la chanson. Voilà, par contre, ça c'est pas très beau le cadre avec sa tête dedans. La choré est cool. J'aime bien son pull Gucci là. Sympa. Ça c'est marrant parce que tu dis toujours tu peux m'appeler quand tu veux, mais en fait tu t'aimerais que ce soit maintenant. Ce qui est sympa, c'est qu'ils gardent la couleur du début à la fin dans le même style. Du coup, ça rend le MV assez uniforme et esthétique. Min-ho, il change un peu de look en ce moment, non? C'est moi. Ah, c'est déjà fini. Personne t'appelle, petit chat. Bon, en fait, je vois qu'il l'appelle Jin-woo,
au lieu de Jinwoo. Enfin bon, soit, donc c'était Jinwoo avec Call Anytime featuring Mino. Donc Mino, le même de vous. Enfin, les deux font partie de Winner, hein, tu m'as compris si t'as vu la réaction. En fait, je m'attendais à rien, je dois vous avouer. Et je me suis dit que ça allait être une petite chanson un peu cool, machin. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit un bop ou que le clip soit génial. Alors effectivement, c'est pas un méga bop, mais j'ai trouvé la chanson, enfin, elle a dépassé mes attentes parce que je m'attendais vraiment à rien du tout. Et j'ai vraiment bien aimé cette chanson, tout simplement. Alors oui, c'est pas chanson du siècle, oui, c'est pas un tube méga ouf, je sais pas quoi. Mais dans le style que c'est-à-dire un solo mec qui fait une chanson un peu chill, mais avec des petites vibes un peu dansantes. Donc là du funk, je trouvais que c'était genre super bien. Le clip, il était aussi extrêmement simple, mais il véhiculait quand même une espèce d'histoire. Et en plus j'ai l'impression que je suis un peu genre orange, un peu, bon ça c'est pas bleu mais tu m'as compris, on dirait que je suis un peu dans le thème. Et ouais, le clip était esthétiquement, il était vraiment très 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 joli. Enfin moi j'aurais pas fait mieux en tout cas, je l'ai trouvé vraiment très très beau. Donc finalement c'est une bonne surprise parce que bah voilà, je m'attendais à rien, j'avais pas de expectations, j'avais pas d'attente. Et puis finalement je me suis retrouvé avec une chanson qui était plus que correcte, qui était vraiment bien. Enfin, en tout cas moi je l'ai vraiment bien aimé, je pense que je vais la réécouter juste après parce que j'ai bien aimé. Et un clip qui était ma foi très joli quoi, qui était sans prétention. Je trouve que voilà, c'était genre juste bien, c'était bien, point, voilà. J'ai vraiment bien aimé cette chanson, je peux pas le dire autrement plus, voilà. Voilà, genre est-ce que toi aussi t'as eu la même chose, où tu t'attendais à rien puis finalement t'as été agréablement surpris ou surprise? Donc tout ça tu peux me dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Et si tu décides de t'abonner, je te remercie d'avance, je fais d'ailleurs bientôt un giveaway. N'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je te mettrai là le lien juste ici. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo reaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.